Salut les copains, c'est Picty et bienvenue pour ce 14e et peut-être dernier épisode de ma série sur Advance Wars Dark Conflict. Dans le dernier épisode, on avait fait le chapitre 23 et 24 où on avait bien trippé avec Lily dans sa schizophrénie complètement délicieuse. Et donc l'avion, c'était dans l'avion, donc le, je sais plus le nom, le Pulsatrix il me semble. Et donc, normalement, il s'est crashé, on ne sait pas trop, je suppose. Et donc, on va continuer pour le chapitre 25, ultime expérience, c'est parti. Oula, le maire est Stolos, alors là, ça ne va plus rigoler. Je suis les représentants des civils, nous avons respecté notre part du marché. Respectez la vôtre et soignez-nous. Cela va de soi, veuillez me suivre à l'intérieur. S'il vous plaît, donnez-nous un médicament pour soigner cette maladie. Un médicament sans lequel vous ne survivrez pas, n'est-ce pas? Il est très compliqué à fabriquer, il faudra du temps pour en faire assez pour vous tous. Il ne m'en reste tout de même un peu par ici. Donnez! Du calme, il n'y en a que pour une personne. Ça suffira, vite donnez-moi ça. Comme vous voudrez, le voilà. Appliquez-le sur votre bas et pressez le bouton, la dose sera injectée. Comme ça? Je suis sauvé maintenant, je ne vais pas mourir. Toutes mes félicitations. Bon, maintenant, parlons des vivres, nous. Où allez-vous? Mon expérience sur les survivants de votre armée ne va pas tarder à commencer. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Vous avez la fille, vous avez promis. C'était un mensonge, je le crains. Mais vous aviez promis. Aidez-nous, aidez-moi au moins. Et tant qu'on y est, ce n'est pas un médicament que vous vous êtes injecté. Oh, il ne m'entend déjà plus. Enfin, peu importe. Ah là là, la naïveté. Oula, Sirius. Tu comprends, Sirius, tu es le prochain à mourir. Tu as quelque chose à dire, je serais curieux d'entendre les dernières paroles d'un traître. Ça m'est égal de mourir, ma mort aura été utile. Ils vous auront, ils finiront par vous avoir. Ils sont déjà morts, les derniers ont péri dans le crash du Pulsatrix. Vous mentez. C'est dommage, n'est-ce pas? Ta mort comme ta vie n'aura pas eu la moindre signification. Mais moi, je suis et je serai toujours là. Tu peux répéter ce que tu m'as dit? J'aimerais t'enregistrer pour mes archives. Ils sont encore en vie, ils ne peuvent pas être morts. Ils ne peuvent pas avoir perdu, j'en suis sûr, ils vont. Merci pour ce moment d'anthologie sonore. Tu ne vas pas mourir tout de suite. Je vais te donner quelque chose qui me débarrassera de toi à petit feu. Il vous... Trac. Ah, Zadia, l'ennemi a commencé ses manœuvres. Stolos n'a pas l'intention de respecter sa promesse. J'en étais sûr. Et même en sacrifiant la fille, on n'en serait pas sorti. On dirait... Ils étaient tous contre Ed, mais s'ils avaient su qu'on en arriverait là... Enfin, ce n'est pas encore le moment de... la séquence souvenir. On va mettre tout ce qu'on a dans cette bataille. Et voilà ce que j'aime entendre. Bon. Écoutez-moi, notre priorité, c'est de rester en vie, soyez prudents. Nous avons une chance sur 1 million, c'est mieux que zéro. Ne découragez pas, sinon, si nous baissons les bras, c'est la fin. Gardez l'espoir et en avant. Alors. J'ai un bazooka. J'ai pas de quoi produire. Et je suis contre Larissa qui a plein de bases. Ça va être compliqué. Je suppose qu'il va y avoir un événement qui va venir. Parce que sinon, je suis perdu. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est défoncer ce bâtard. Voilà, c'est parfait. Ensuite, repli. On va se replier. Et on va essayer d'aller péter ce con là. Et puis voilà. Une fois que vous serez tous morts, mon papa aura fini ses expériences. Il n'y aura plus que lui et moi, ça sera trop bien. Ah merde, j'avais un chasseur. Oh fuck, je l'ai pas vu. Bon bah tant pis pour moi. Tant pis pour lui. Adieu, chasseur, adieu. Oh putain. Alors. Je me demande ce qu'ils vont me donner comme conseil, c'est rest in peace. Good luck.
Encore moi. Tu avais tellement envie de me revoir que j'ai eu pitié de toi. Mon toutou. Je ne suis pas un chien. Qu'est-ce qu'il te prend? Je veux un mignon petit chiot, pas un vieux chien ronchon. Oh, je sais ce que tu veux. Tu veux que je te raconte une histoire? Conserve les morceaux d'aérolite pour ralentir l'ennemi. Occupe les usines et l'aéroport au centre de la carte. Envoie des bombardiers pour te débarrasser des méga-tanks ennemis. Alors, je ne fais pas bien la leçon au petit toutou? Non, non, c'était très clair. Mais je ne suis pas un chien, nom d'un chien. Le conseil de guerre est terminé, au revoir tout le monde. Bon. De toute façon, j'avais pas l'intention de détruire les aérolites. Et t'es pas mort en fait. Yopi, tu n'es pas mort. Allez, va attaquer ce lance-roquette. Histoire de bait. Tu lui as fait zéro dégâts, je suis fier de toi. Hop, et puis on ne peut rien faire d'autre. Putain, il y a de l'armée quand même. Il y a de l'armée en face. Papa? Oui. Un rapport vient d'arriver, des ennemis se dirigent vers par ici. Se dirigent par ici. Vers par ici, non. Lol. Des ennemis? C'est impossible. Qui cela peut-il bien être? C'est Lilith! Zadia. Ed! Ed, c'est toi? Je vous couvre. On s'est déjà débarrassé du bombardier géant. Allez, à l'attaque. On ne peut pas laisser le monde à Stolos. Comment ont-ils fait pour rester en vie? Ils auraient dû disparaître avec le Pulsatrix. Lily avait des ordres. Merci, Lily. Écoute-moi, s'il te plaît. Elle ne comprend pas. Papa a dit à Lily de mourir. Elle ne comprend pas. Elle t'a écouté et elle ne comprend plus rien. Lily. Oh oui, le général directement dans le méga. Ouais. Il me faut des bases. T'es sur une ville. Toc. 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 Hop là. Tu vas mourir, fils de pute. Tiens, prends-toi ça dans ta gueule. Et puis ça. Toi, je peux te bouger jusque là. Ah merde, je suis pas dans la zone, tant pis. Tu mourras quand même. Ah, vous êtes assez... Vous êtes condamné, donc c'est dommage. Bon, ça, on va commencer à les péter, de toute façon. Va bien falloir les casser un jour. Voilà. Toi, tu vas te casser d'ici, par contre. Hop. Tac. Tac. Parfait. C'est parti. C'est parti ou c'est pas parti? Je ne sais pas. Non, ça ne sert à rien de faire ça. On veut vivre. Ah, du coup, j'ai beaucoup plus d'unités que lui, hein, 24. Bon, après, j'ai pas mal d'infanterie. Regarde, le nombre de méga-tanks qu'il a, c'est... What the hell? Non! Toc, 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 toc. Allez! Je commence à avoir mes petites bases. Bon. Ça va dégager. Non, ça va être compliqué. Il reste... Je vais pas y arriver. Groupe. Même si vous allez mourir, vous pouvez faire que ça. Toi, tu ne prendras pas cette base. Je te l'interdis. Toc. Il reste combien? 9. Bon. Ce sera pour le prochain tour. On va déjà avancer l'anti-aérien. Voilà. Et puis vous allez avancer aussi. Oh putain, ça fait mal.
Je sais pas combien ça lui fait, mais c'est excellent. Excellent, excellent. Toi, tu vas avancer doucement avec le mégaton. Alors, est-ce qu'ils ont chacun leur truc à prendre au prochain tour? Ouais. Ouais, ouais. Non! What? Il a focus ça. Ouais, de toute façon, il les avait. Mais... C'est bien, c'est bombardier. Il cache toutes ses munitions dans les... Dans les aérolithes. Dis, tu t'intéresses à elle? Tu es la sœur de... Je suis Larissa. Et elle, ce n'est personne. Juste une copie, tu vois. C'est faux, c'est Kathleya, une vraie personne. Mais non, elle a été fabriquée pour une expérience par mon papa. Moi aussi. Je trouve que c'est triste, mais c'est la vie. Être destiné à être utilisé, ce n'est déjà pas si mal. La science ne me graisse pas sans cobaye. C'est ce que dit toujours papa. Kathleya fait partie de notre groupe. Tu ne comprends pas. Ah, on peut en fabriquer plein des pareils. C'est toi qui ne comprends rien. Kathleya est notre amie. C'est pour ça qu'elle est irremplaçable. On ne peut pas dire que tu sois brillant. J'en ai marre de t'expliquer. Je déteste les esprits médiocres. Bon. Nice. Ensuite, on va mettre ça ici et ici pour les emmener dans l'avenir. Ça va péter! J'aurais dû le faire avec le bombardier, c'est pas grave. C'est pas très grave. Bim bim bim. Toi tu vas t'avancer. Toi aussi. Peut-être pas trop, attendez, c'est quoi la range? Ouais, peut-être pas trop. Ici, ça sera très bien. Le VTBay, tu vas avancer. Puis vous aussi. Putain, ça lag par contre. Hein. Je vais peut-être accélérer comme ça, ce sera peut-être mieux. Je ne sais pas. On va essayer de prendre ça, ça va être compliqué, je le sens, mais. Mais ça coûte rien d'essayer. Non, c'est bon. Est-ce que j'avance? Ouais, on va l'avancer quand même. Allez hop. Oula, le général dans une ASA. Et ben on retraite avec ses ASA quand même. Hein. Oh putain, le blocus qu'il fait, c'est un truc de malade. Est-ce que j'ai la range? Ouais. Bim. Bim. Bim, suicide, mais c'est pas grave. Moi aussi je sais faire un blocus. Regarde. Ah merde, toi j'avais oublié que t'aurais pu faire quelque chose au prochain tour. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. J'ai rien à produire pour le moment d'intéressant, je pense. Je pense que je vais peut-être attendre pour... Je sais pas, je vais voir. Je vais attendre. Ok, il avance en mode... En mode YOLO, j'ai l'impression. Donc toi, faut que tu viennes très très vite. Dépêche-toi. Alors. Il pourra pas le toucher au prochain tour, lui non plus. Personne ne pourra. Donc. Toi, c'est quoi ta zone? Ok. Bon, on va se replier comme ça. Toi, t'es hors de portée, c'est parfait. Tu vas reculer aussi. Au pire, ce qu'on va faire déjà, on va faire déjà un petit aéroport. Puis toi, tu vas tenter d'aller rechercher l'aéroport. Hein.
toute façon, moi je compte la jouer def. Qu'est-ce que tu vas faire Non, moi j'aimerais bien produire des trucs comme ça, parce que des canons défensifs, parce que c'est super fort contre les méga tanks. Ou vous me direz les bombardiers aussi. Bon, allez. Allez, parce qu'on n'a pas de temps à attendre, parce que si j'en produis un ici, le temps qu'il arrive là, la bataille sera déjà terminée, donc... bombardier. Ça va être la bataille pour la terre du milieu, là, c'est info sûre. Ne leur laissez pas la base. Ouais, on va pas leur laisser, du coup. Ah putain, je peux pas y aller, parce qu'il y a des putains de forêts de merde. Il y a des forêts à la con. Bon. Ça dégage, même si je vais mourir. Faut que je protège ce putain de... mec. Toc. 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 Je suis dans la range. Hop là. Bon, ça me semble qu'on est, pas mal là. Ou est-ce que je l'attaque direct avec mes bombardiers? Ouais, le truc, c'est que je vais me les faire fumer, quoi. Non, on va pas attaquer. Faut attendre un tour encore. Par contre... peut-être la jouer comme ça, histoire que mon général soit bien à couvert. Même si je sacrifie des défenses contre avion, c'est pas grave. Ok, il joue def. Il rush pas comme un bolos. Ça. On va bloquer l'issue ici. C'est bon, il est hors de portée. Tout ce qu'il attend, c'est infâme, quoi. Moi, j'avance, moi. J'ai pas peur. J'ai pas peur de ta gueule. Bon, allez, il va pouvoir me contourner pour aller péter. Probablement un bombardier. Mais s'il fait ça, je lui pète son général. Ce serait super cool. Ah non, il replie. Il replie, mais il avance avec ses tanks. Alors là, il me fait plaisir. Ça me fait plaisir, c'est... Alors, tactique, toi tu ne sers à rien, du coup tu vas avancer. En premier, les bombardiers. Bon, déjà, faudrait gérer cette merde. Monsieur Laz. Merci. Ensuite. On va avancer notre chef en premier. Tac. On va tout lui défoncer là, info sûre. Priorité sur ça. Voilà. ...123 c'est cool. Ça, on va le laisser parce que je préfère qu'il ne puisse plus occuper la base en fait. Toi, bah tu vas occuper. Hein. On va le bloquer. On va le mettre dans le petit coin là. En mode gros bâtard. Faire un lance-roquette. On va les keblo. Et puis voilà.
Ça me semble pas trop mal. J'ai presque mon pouvoir. Et lui, il est loin d'avoir le sien. Enfin, elle. Il y reste 3 gros, mais on s'en fout. Ouais, il fait pas mal d'az. Hein. Bon, déjà, son général, on va lui péter. On va essayer, du moins, je suis pas sûr que je puisse. Déjà, toi, à la tech. Ok, on a le nôtre. Ah, je peux pas l'utiliser maintenant, zut. Zut! 20, c'est tout. Oh la merde. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Toi, tu vas servir à quelque chose. Toi, tu me fais combien? 10. C'est peu. Hop. Hop. Peut-être du focus le lance-roquette, par contre j'étais un peu bête. J'étais un peu bête. Parlant de lance-roquette, il faut que j'avance les miens, mais ça va pas vite. Toi aussi je vais t'avancer. Hop là. Oh merde, je peux pas monter. Bon, on va lui péter ça. De toute façon, ce que je vais me faire, c'est un Azal. Puis toi. Tu vas faire ça. Ici, il y a besoin de ressources. Bon, bah, je crois que c'est bien. On est bon. 13 contre 20. 13 contre 19. Aïe. Oula, il a groupé. Oh putain, c'est bien joué ça. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué, mais rupture. Je sais pas, ça va être. Enfin, je sais pas si ça va être utile, mais on verra bien. Toi, tu ne sers à rien. Toi non plus. C'est déjà super cool. Oh, le lac de l'infini, c'est incroyable. Bim. Il va falloir que tu gères, toi, par contre. Hop là. Hop là. Hop là. Bon, on a l'air d'être pas mal là. Non, toi tu vas régène. Hein. Écoute, tu vas aller à la base. Avec la move speed qu'il a, c'est génial. LOL. Et moi je regrimpe dans l'avion. ce qu'on va faire aussi. Toc. Oh putain, je me suis fait défoncer. Suicide Squad, énorme. J'ai fait la Lily, quoi. Ah, je rentre à la base. Oh, la misère. Bon, avance. Ah, c'est dommage, je ne puisse pas aller jusqu'à là-bas. C'est dommage, on va faire un chasseur histoire de l'occuper. Bon, il va falloir qu'il se mette bombardier, j'imagine. Ouais. Il me faut de l'anti-aérien. Il me faut de l'anti-aérien. Je peux rien faire de plus. Ouais, mais de toute façon, ils vont se faire péter. Ouais, faut les envoyer. Rien à foutre. On les envoie à la bataille. Toi, par contre, tu peux me mettre très utile. Putain, t'as la range, c'est incroyable. Et tu veux m'être très utile. Non! Mon chef, non. Bon.
48. Dégage. C'est parfait. Le général dans une défense contre avion. Rien à foutre. Rien à foutre. Vous avancez en mode gros loubard. Et puis voilà. On est bien. On est bien. On va refaire ça. Et puis... Tu vas attendre encore un tour. Ouais. Ah, c'est reparti. Mais dans un chasseur cette fois. Eh bah. Temps d'approvisionnement, ça fait plaisir. Bim! Est-ce que t'es deg? Est-ce que tu es deg? Je crois qu'il l'est. Vu l'utilité que tu vas avoir, toi, est-ce que je le laisse? Oh, je sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas tellement de l'OHP là, c'est abusé. Petite diversion. Bon, allez, on va le détruire parce que voilà. Et de toute façon, ce qu'on va refaire, c'est encore ça. Parce que c'est trop puissant. Merde. Ah, corps à corps, je me fais. Je pensais que c'était. Ah, c'est soit corps à corps, soit à distance. Ça peut faire les deux, mais ah, c'est un peu de la merde. Je pensais que c'était tout le temps tir indirect. Tant pis pour moi. J'ai mon super génie qui est toujours là. Rapprovisionnement. Oh, le focus direct sur le bait, quoi. Directement focus. Sans pitié. Bon. Bon, bon, bon. Par contre, j'ai plus de bombardier. Ça, faut que je pète rapidement. Eh, c'est bien mis hors de portée, le salaud. Ah, quoique. Ah bah non. Vraiment bien hors de portée. Bah non. Parce que non. Parce que je vais faire un bombardier là. Et du coup, c'est la castagne ici. Et toi, bah tu vas... continuer. Tu vas continuer de mourir, c'est pas grave. C'est pas grave, il va perdre son général là. Normalement. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il a encore de l'anti-aérien? Oui. Chier. Fait chier. 33, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut vraiment un lance-roquette. Ah, c'est la merde. Là. C'est la merde. Bon, allez. Voilà. Nice. C'est dû faire du damage à lui aussi. Pour la peine. On va faire ça. Putain, on va te cover. Est-ce qu'il est bien cover? Ouais. Il l'aura jamais. Mais il l'aura pas. Il faut que je sois mon général, c'est cool. C'est cool!
Ah, j'ai pas la range. Ah, mais c'est que pour les unités terrestres, de toute façon, je crois. Donc... Ah, genre. Ah, c'est abusé, ça. C'est abusé. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Toc. On continue de prendre possession du territoire. On recule pas. On recule peut-être un peu quand même pour toi. Toc. On va faire un bombardier. Et puis voilà, 11 contre 9. Mais bon. Ah putain, il a refait une Asa, mais il est casse-cou. Il est relou. Surtout, j'y pique ses villes au fur et à mesure. Bon, d'abord lui. Voilà. Comme ça, ici, toi, je te pète le cul. Ok, ça c'est parfait. Son Asa va sûrement me faire chier, mais c'est pas grave. Ah non, il joue vraiment défensif, quoi. Oh putain, méga temps. Fuck. Fuck, en plus je le tue pas l'autre. Ah. Bon, il me faut de l'infanterie par contre là. Faut que je prenne ces camps. Voilà. Puis un bazooka. Voilà, jouer stratégique. Voilà, gagner petit à petit. Quand même quelques dommages, hein, c'est pas mal. C'est pas trop mal. De toute façon, il a la range pour aller me péter mon bombardier, il va aller le faire, je pense. Par contre, s'il me pète mon bombardier... Ouais, non, il sera mort. C'est bon. Vas-y, fais-le! Ah, il l'a fait avec l'autre. Bon, il l'a fait avec les deux. C'est bien, il va perdre ses deux unités aériennes, je suppose. Déjà, ils vont perdre une sur. Voilà. Ah, oh, j'ai plus de munitions. Oh, la merde. Non. Ah, oh, la merde. En avant. Putain, la poisse. C'est pas possible. Donc, on va te défendre. Allez hop, soyons fous. Oh bah c'est bien, il utilise toutes ses unités là-dessus. Ah par contre mon tank ça fait chier. Enfin mon bombardier je veux dire. Ah il me fait chier. Faudrait que je fasse dans la zone. Toi tu vas te replier, ouais mais non, tu vas te mettre là. Toi, tu vas, hop, toi, hop, et toi, hop là. Et puis toi, tu n'as plus de munitions de toute façon. Et ce n'est pas une base à moi, donc ça ne sert à rien. On va envoyer du lourd, là. Petit hélico, ça fait plaisir. Je vais pas me laisser faire. Je joue pas mal sur les bazookas, les tanks M. Ok, là c'est que du terrestre. C'est que du terrestre qui me fait. Parce que j'ai plus de bombardier, donc pour lui, il n'y a plus de danger. Ah.
Mon général, il va sûrement y passer. Il faut que je profite de l'aura. Même profiter de la rupture, si je peux. Ouais, on va en profiter un petit peu. Je vais pouvoir soigner toi. Commence à prendre ça. Ouais, bah de toute façon, hop là, on va faire ça. Toi, tu sers à rien, donc tu vas défendre ton pote. Ah, je passais pour un bombardier, c'est moche. On va faire un truc comme ça, et puis je pense qu'on est bon. Ok. Espérant que j'ai assez pour... Oui. J'ai assez. Nice. Alors, toc. Non, je fais que dalle. Est-ce qu'il a la range? Merde. Je suis baisé, faut que je reste là. Je suis baisé. Donc toi, tu vas peut-être pouvoir faire quelque chose. Toi, tu t'en vas. Il te reste combien? 40. Et hop. Hop là. Ça, ça dégage. Ah, je suis baisé aussi. Ah putain, il y a un chasseur en plus. Ah la merde. Je peux pas avancer. Je peux pas avancer. Ah, il me fait rien, son chasseur. C'est cool. Zut, 35. Pour cette prix. Là. Et un chasseur aussi. Voilà. Allez, on va essayer de les prendre par la force. On va essayer. Un petit motard, parce que... Pff, sans raison. Juste faire un petit motard. Putain, c'est bien avec son chasseur, il focus que mon général. Ok. Et bim! Là par contre, c'est la merde. Tu vois, on va aller le faire chier. Puis toi, je te bloque la route. Je suis un loupard. Et on va refaire un méga. Et puis voilà. Ah, mon canon défensif, il lui fait vraiment de la peine. Ah, Sacré Bazooka, ça fait mal, hein, canon défensif, c'est ouf. Ah non, pourtant, c'est vraiment les bombardiers qui les défoncent. Mais... non, capturer plutôt. Fais pas le con. Alors... Vraiment que je gère de cette merde. Toc. Oh là là, c'est galère. Il fait que des counters unités tout le temps. De toute façon, ils sont programmés pour. C'est relou. C'est trop relou. Non, je vais rien lui faire. Ça sert à rien. Attends, focus ça, même si je veux pas lui faire grand chose non plus. Ah.
Faire du temps court comme lui. Pitoie, 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 pitoie. Pitoie, tu vas défoncer ce mec. Voilà, 12 contre 8. Putain, 8 contre 11. Ah, mais c'est chaud, hein. Il se laisse pas faire, il m'énerve. Ça fait pas grand chose, mais bon. Voilà, ça dégage. Toi, tu vas le protéger si possible. Ah, c'est le chef, merde. Putain, il a une Asa, mais il est chiant. Il m'énerve. Bon, il faut que j'en fasse du... Ça, on va faire... Ça. Voilà. Non. Ah, j'ai peur qu'il aille focus mon méga tank là-bas. Je crois qu'il meurt, mon méga tank. Pas du tout. Ah, son canon défensif, il va me défoncer. Fait chier. J'ai mon pouvoir au pire. Je vais peut-être aller pouvoir lui chercher. Ah, il y a moyen. Ah non, mais sérieux, t'as pas la range. Bon, là t'as la range, c'est sûr. 70, pas mal. Pas mal, et toi? 30, ouf, parfait. Nice, very nice. Que tu vas te replier plus loin. Ah, c'est trop dommage. Tant pis. Mais c'est trop dommage. Je pense que je suis bon niveau anti-aérien. Faire des tanks lourds, c'est pas mal. Hélico, tank lourd, ça marche bien, je trouve. 11 contre 6. Bon, là, on lui pétait son général. Je ne veux plus te voir. Toi non plus. Quand je me suis niqué toutes mes infanteries. On va refaire. Faire de l'infanterie. Hop. Hop. Tac. Et un petit chasseur, histoire de dire que celui-là, tu ne pourras pas le tuer. J'ai pas un NASA qui attend derrière, d'ailleurs, moi. Je crois que si. Attendez. Ah non. J'ai rien dit. Non, parce qu'on va faire déjà, on va te positionner là, toi. Faire quelques dommages. Hop là. Ok, mon général va sûrement y passer. Ah, quoique. Je peux le faire vivre encore. De toute façon, il peut rien faire. Hein. bon, bah, avance. Hein. De toute façon, tu ne sers qu'à ça. Tu vois, ici, avance. Vu ici. Bim. On va peut-être le finir. Yeah, il reste plus que 3. Hein. Ça sent la fin. Surtout que le petit bombardier qui fait bien. Ok, un méga tank. Ça tombe bien, j'ai fait un bombardier. on va peut-être faire un génie par contre. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. À l'attaque! Ça, ça gère. Putain, je lui fais rien. Va occuper ça. 13. Putain, ça fait vraiment que dalle les chasseurs sur les unités terrestres. Les hélicos, c'est vraiment plus puissant.
Hélico, c'est trop fort. Et là, elle est dans la merde. Bon, il y a moyen de finir, là, j'imagine. Bim. Moins 1. Hop. Et voilà. Je... Papa, je... Tu as perdu, vous êtes tous aussi inutiles les uns que les autres. Il ne me reste plus qu'à me replier dans le nid du Strix. Bon. Ah, pas mal. Genre, j'ai manqué de technique. Elle était bien, ma technique. Bon, c'est vrai que j'ai changé en cours de technique. Au début, j'étais bourrin, après je me replie, après je suis un plus bourrin. Puis voilà. J'étais obligé de m'adapter. Sirius. Tu es vivant. Reste tranquille, vite, quelqu'un a appelé un docteur. Ce n'est pas la peine, c'est trop tard. Vous êtes vivant, cela me suffit de le savoir. Sirius. Sirius, viens vivre avec nous. Le docteur Moritz va t'aider. Ed, j'ai quelque chose à te demander. Tu nous as tellement aidés, je ferai tout mon possible. Reste en vie. Je vais mourir, ça m'est égal, mais ça m'est égal, j'ai servi à quelque chose. J'ai réussi à vous aider. J'ai tellement espéré que ça marcherait. C'est pour cela que je veux que tu élimines le professeur, pour le bonheur de l'humanité. Je te le promets. Merci. Son QG est au nord, au centre des recherches de l'IDS, va dans le nid du Strix. Tu trouveras des antiviraux assez pour tout le monde. Sirius, tiens bon. Grâce à vous, ma vie a eu un sens. Je te le promets, Sirius, nous survivrons. Tu n'as pas donné ta vie pour rien. Et voilà, elle est mort. Oh, on a Larissa. Formidable. Eh, ça m'a l'air d'être la dernière mission, puis qu'est-ce qu'il y a... Il n'y aura plus de continuité. Eh ben, on fera ça dans le prochain épisode. J'espère que celui-là vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde.